Résumé de la première partie. Est-ce qu'il y a ou pas une chambre magmatique juste en dessous du parc? Oui. Oui. Et cette chambre magmatique est-elle assez grande pour qu'en cas d'éruption soudaine, elle puisse potentiellement être classée dans les super-éruptions? Oui, tout à fait, elle pourrait. Et s'il y a une éruption, il y a de fortes probabilités qu'elle soit plutôt modérée. Ce n'est pas suffisant, Rick. S'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que ça se produise, je veux savoir ce qui se passera, tout ce qu'on peut faire. Nous nous retrouverions avec près de 2 ou 3 000 km cubes de roches, de gaz et de cendres, se répandant à travers les États-Unis. Et d'une manière qui ressemblerait à peu près à ça. Sont persuadés qu'une éruption peut survenir à tout instant et que ses conséquences risquent d'être dévastatrices pour l'Amérique et pour le monde. Oh non, ça suffit, Rick. Sois un peu honnête avec moi. Je suis honnête avec toi. Tu trouves? Oui. S'il va vraiment y avoir une éruption, tu devrais venir avec nous. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire ce qui va se passer. Attends, si je fais la connerie de passer en rouge, tout le monde va penser qu'une super éruption aura lieu et je ne veux pas qu'on me tienne responsable d'un gigantesque mouvement de panique. S'il vous plaît. Monsieur Lieberman, est-ce que vous attendez. Vous refusez toujours la possibilité que ce soit une super éruption? C'est deux fois plus probable que la chute d'un astéroïde, selon certains experts. Et vous avez deux fois plus de chances d'être frappé par la foudre, mademoiselle Chin. Combien d'entre nous perdent le sommeil à cause de ça? Le commandant n'a pas encore éteint le signal à la chaîne. Ça y est, Matt. Ça commence. Bob. Jolie robe, désolé d'avoir dû vous déranger. Vous avez bien fait. Qui avez-vous eu à la surveillance géologique? Personne. Quoi? Je n'arrive pas à joindre leur bureau sur place. Compris. Salut, Dave. Michael Eldridge devrait nous rejoindre. Ce sont là toutes les images que nous avons? Oui, et ce ne sont que des projections. Quoi? Oui. D'accord. Je veux que l'armée de l'air envoie un avion le plus près possible de l'éruption. Bon, on va dire à la Maison Blanche le peu qu'on sait pour l'instant. Dave? Vous allez vous débrouiller. Je veux le gouverneur Marshall dans le Wyoming, Joel Foster à l'intérieur, et appelez encore une fois le bureau de Yellowstone. Et Bob, s'il vous plaît, trouvez-moi autre chose à mettre. D'accord. Marie? Va voir ce qui se passe. Après, contacte Rick et dis-lui bien ce qui se passe. Vas-y. Ça va? Monsieur, il est interdit de téléphoner à bord. Je dois les appeler. Monsieur, je vous demande de bien vouloir éteindre votre portable. Je m'appelle Richard Lieberman. Je dirige l'observatoire volcanologique de Yellowstone. Je viens de recevoir des nouvelles alarmantes. Ça pourrait même affecter notre sécurité à bord de cet avion. Mon mademoiselle, Dieu, il se passe quelque chose. Il faut que je parle au commandant, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Dave, réponds, Dave, c'est moi, Matt. C'est pas vrai. Réponds, Dave, ici Matt. Hé, hey, Matt, c'est moi. Je me dirige vers Bozeman. Où es-tu? Juste au nord-est de Norris. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a qu'un seul panache. De taille modérée. Enfin, pour le moment. Tu es à combien de Bozeman? Environ une heure. D'accord, écoute. Rick est en avion pour Washington. Notre station sur place a été entièrement détruite. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Je serai opérationnel dans 30 minutes. On a estimé que pendant la première heure, 100 millions de tonnes de pierres ponces et de cendres ont été éjectées. Ce qui représente 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ensuite,
Ensuite, le vent a entraîné le sommet de la colonne vers l'est. En moins d'une heure, les pierres ponces et les cendres ont commencé à retomber sur des villes situées à des centaines de kilomètres de Yellowstone. Cody, Billings, Idaho Falls, Bozeman, où se trouvait Dev. Vous pouvez m'aider? J'ai du matériel à décharger à l'arrière. Merci. Rick, c'est Dave. Dev? Ok, dis-moi. Est-ce que cette activité sismique a suffi à déclencher une éruption? Ouais. Matt dit qu'il n'y a qu'une seule cheminée. Parfait. Dev, je veux que tu détermines la taille de cette cheminée et que tu le fasses aussi vite que possible, d'accord? Tout le matériel est détruit et Matt n'en a eu qu'une vue assez partielle. Posez ça n'importe où et je vais essayer de me connecter. Attendez, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez l'eau au débit. Oui, il y a une prise là. Oh, Dieu soit loué, merci. Désolé, Rick, oui. J'aurai une liaison satellite dans quelques minutes. Je devrais réussir à voir le nuage de cendres et je transmettrai au centre d'alerte. Bon, écoute-moi bien. Je voudrais que tu appelles Michael Eldridge à Washington. Il faut que tu le préviennes, que tu lui expliques bien ce qui se passe et que tu lui dises qu'il faut qu'il déclenche une alerte rouge de niveau 3, d'accord? Tu as compris? Une alerte rouge de niveau 3. Entendu. Très bien, et si cette cheminée s'agrandit ou s'il y en a d'autres qui s'ouvrent, tu m'avertis tout de suite. Ouais, compte sur moi. Notre station était trop proche. Après coup, bien sûr, oui. Mais il faut être assez près si on veut recueillir des informations. Et personne... Non, personne ne pouvait anticiper la taille de cette coulée, sa direction ou sa vitesse. Les coulées pyroclastiques peuvent déferler à plus de 800 km/h, avec des températures qui peuvent aller jusqu'à 1100 degrés. Elles incinèrent tout sur leur passage, absolument tout. C'est l'enfer qui déferle sur vous. Ils n'avaient aucune chance. Nancy et Matt? Ils ne sont pas les seuls. Tous ceux qui étaient présents ont dû être tués. Vous êtes sûr? Oui, la station a été totalement détruite. Oh, Seigneur. D'accord. Où est Jock? Il s'en est sorti. Hein? Vous voulez lui parler? Non, pas pour l'instant. J'entre à l'agence fédérale. Ne quittez pas, je vous passe Wendy. J'ai Dave Price en ligne. Il a établi un poste avancé à Bozeman. On passe sur l'écran. Écoutez tous, voici Michael Eldridge, de l'Institut de Surveillance. Dave, ici Wendy Rice, de l'Agence fédérale. Vous avez des informations sur la taille de l'éruption? Oui. Jock Galvin a survolé les lieux en hélicoptère il y a peu de temps et dit qu'il n'y avait qu'une seule cheminée.
Mais le GPS et les mesures des capteurs montrent qu'il y a des signes d'activité dans tout le parc et une augmentation des secousses sismiques. Je pense que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'on voit s'ouvrir de nouvelles cheminées. Merci, Dave. Restez en ligne et tenez-nous informés. Entendu. Denver, maintenez en état d'alerte toutes les équipes de secours. Informez le gouverneur Marshall que ce sera plus grave que prévu. On lui recommande l'évacuation ? C'est son choix, mais on lui conseillera le contraire. Il vaut mieux être chez soi que sur la route. C'est ce que je vous disais, notre plan de vol nous fait passer à 348 000 nautiques au sud de Yellowstone, à l'endroit le plus proche. Alors si les cendres de votre volcan se dirigent vers nous, le centre d'alerte volcanologique nous avertira avant qu'on puisse se retrouver sur leur route. Et le centre d'alerte vérifie souvent les images satellites ? À mon avis, toutes les demi-heures. Mais on peut leur demander de le faire tout de suite si vous y tenez vraiment. Ouais, allez-y. Et je vous remercie, commandant. Tenez-moi informé. Bien merci. Sûr. Oh là. Idaho nous prévient que la ville de Boise est plongée dans le noir. On me signale une succession de blackouts à l'ouest de Yellowstone. Les cendres qui tombent sur les transformateurs électriques. Très bien. Dites à nos agences locales dans le Montana, le Nebraska, l'Utah et le Dakota qu'elles doivent couper leur raccordement au réseau et passer sur leurs générateurs. Et qu'ils veillent à ce que ces générateurs soient protégés contre les cendres. Je vous conseille aussi de faire fermer tous les systèmes d'air conditionné. Les cendres s'introduisent partout. D'accord. Que tous les bâtiments fédéraux recyclent leur air en circuit fermé. Allez-y, Trigger 2. Je survole en ce moment l'éruption en cours au 5-0-0. Un écart au cap 2-9-0, avec un vent d'ouest, mais au-dessus de la colonne éruptive. J'ai noté 3-3-7 degrés nord nord-ouest. Frank, vous avez ces coordonnées ? 2-9-0, vent d'ouest. C'est pas vrai. C'est sur le trajet des principales lignes aériennes. Hank, je veux que tout l'espace aérien du centre des États-Unis soit interdit de vol. Et mettez les côtes est et ouest en état d'alerte. Michael, où est votre ami ? Nous avons besoin de lui. Rick Lieberman ? Oui. Il est là, quelque part. Il devait rentrer en avion ce soir. Quelqu'un veut une couverture ? Tenez, messieurs. Alors ? Il n'y a qu'une seule cheminée. Une seule cheminée ? Oui. Comme au Mont Sainte-Hélène, bonsoir, alors. Monsieur. Oui, c'est ce que tu disais. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Cette odeur bizarre. Tout au fond de l'avion. Du soufre. Oh non. On traverse le nuage de cendres. Je passe en manuel, fais le contrôle. Contrôlez l'avion. Nous perdons de l'altitude. Aidez, nous avons perdu tous nos moteurs. Je répète, plus de moteurs. Perçu, nous recherchons un terrain. Mesdames et messieurs, veuillez mettre vos masques, s'il vous plaît. On va essayer de rejoindre le terrain le plus proche. M'aider, on a perdu tous nos moteurs. Monsieur, ne restez pas là. On n'a plus de moteurs. M'aider. Dave, vous le recevez ? Ouais, je le reçois. Est-ce qu'il y a un zoom ? Est-ce qu'il peut zoomer dessus ? Trigger 2, vous pouvez zoomer dessus ? Attendez. Vous avez vu ça, Michael ? Une autre cheminée ? Oui. Oui, une deuxième cheminée s'ouvre en ce moment. Tant qu'il n'y avait qu'une seule colonne éruptive, il restait une chance que ça se termine bien. Malheureusement, cette deuxième éruption... Il était clair qu'il y avait tellement de magma et de pression dans la chambre qu'il ne pouvait pas être éjecté par une seule colonne. Au lieu de ça, toute la caldeira a commencé à exploser en une série de petites éruptions. Après que ça ait commencé, nous ne savions plus du tout combien de temps ça allait durer. Des jours, des semaines, des mois.
Nous n'en savions rien du tout. Dégivrage des ailes. En panne. Dégivrage des moteurs. APU. Gardez votre masque, monsieur. Tout va bien se passer. Le commandant contrôle la situation. Mesdames et messieurs, ici le commandant Franck. Par mesure de sécurité, nous allons bientôt nous poser à Cheyenne. Qu'est-ce qui se passe? Le nuage de cendres a complètement recouvert le cockpit. On va se poser en aveugle. Une partie de nos instruments est en panne. Ça va être donc très difficile. Penchez-vous en avant, mettez la tête entre les jambes. Nous allons y arriver. 500 pieds. 300 pieds. 200 pieds. 150 pieds. Attention. 100 pieds. 50 pieds. Une énorme de voitures essaie de fuir vers le Canada par la 15 et la 29. Le Nebraska a demandé s'il peut évacuer. Répondez-leur qu'ils attendent. Il faut d'abord dégager les routes et je veux un rapport sur les moyens des gardes-côtes. L'armée de l'air évacue ses avions des bases de Minot, Grand Forks, Eltris, Nellis, Kirtland, Offen, Peterson, Edwards. Il y en a qui ne sont pas évacués? La côte est, je présume. Oh, merci. Le Wyoming a décrété l'état d'urgence. Il demande le classement en catastrophe nationale. Vous entendez ça, Denver? Attendez. On dirait qu'une autre cheminée s'est ouverte. Oh non, ça fait 3 cheminées. Michael, ça va continuer encore longtemps. Allô? C'est moi! Rick, où es-tu? C'est quoi ce bruit? Ce sont des sirènes! Écoute! Yellowstone est entré en éruption. Quoi? Je peux pas te parler pour l'instant. Je suis avec Ken et on se rend à l'institut de surveillance, à Denver. À Denver? Pourquoi? Quand j'y serai, je t'appellerai. Non, une petite minute, est-ce que écoute, tu... Écoute, Je pense... Allô? Rick? Tu es là? Rick? D'après les premiers rapports, il semblerait que des scientifiques de la surveillance géologique américaine qui observaient le site depuis une station située à l'intérieur même du parc aient été tués. À proximité, les villes de West Yellowstone et de Bozeman ont été évacuées dans la confusion et la panique la plus totale. Pendant ce temps, le nuage de cendres qui ne fait qu'augmenter de taille se dirige vers le sud et l'est à partir de Yellowstone en faisant pleuvoir son contenu potentiellement mortel sur une très vaste région. Les cendres bloquent les routes et les autoroutes et provoquent une paralysie totale. Trouve-nous un complexe militaire. Je vais essayer. Dépêche, vas-y. C'est bon. Parfait. Il y a une base militaire à près de 4 km par là. Ils ont peut-être un moyen de joindre l'agence fédérale. On va pas y aller à pied. On ne peut pas rester là, Ken. Tu m'ouvres le coffre? Non. Rick, pour l'amour du ciel, Rick, ce sont des cendres volcaniques, on ne peut pas sortir. Quand le Vésuve est entré en éruption, les habitants de Pompéi sont restés chez eux. Et comment on le sait, Ken? Ils ont été momifiés par la couche de cendres. Très bien. Nous avions déjà vu des éruptions au Mont Sainte-Hélène, à Montserrat, au Pinatubo. Nous avions déjà vu les terribles dégâts que même une petite quantité de cendres arrivait à faire. Si ça pénètre dans vos yeux, ça peut vous rendre aveugle. Si vous les inhalez, ça se mélange aux mucosités de vos poumons pour former un ciment asphyxiant. Et c'est aussi d'une incroyable densité. Une couche de 20 cm suffit à faire s'effondrer un toit. La moitié suffit si les cendres sont humides. Seuls les habitants vivant dans un rayon de 100 km autour de Yellowstone avaient été évacués. Tous les autres qui se retrouvaient pris sous le nuage de cendres étaient en très grave danger. Dave, est-ce que vous recevez ça? Oui, je peux le voir. 2 cheminées de plus, ça en fait 5. Je crois que la caldeira va pas tarder à exploser. Qu'en dites-vous, Michael? Je suis de votre avis. Mmh.
Vous nous recevez toujours? Il doit en tomber ici, sur le toit. Je vais voir. Des pierres ponces, une pluie intense. Dave, il faut que vous sortiez de là. Et pour aller où? Quoi, vous avez un tunnel secret caché quelque part? Où sont passés les pensionnaires du motel? Certains sont partis, mais beaucoup sont restés à l'intérieur en espérant s'en sortir. Oh, j'espère au moins que le type du room service est toujours là. Fonctionne toujours. Tout à fait, monsieur. Vous allez contacter Wendy Rice à l'Institut de surveillance de Washington de la part de Richard Lieberman, de l'Observatoire de Yellowstone. Attendez un instant. Oh merde! Oui, compris. Elle est là, ne raccrochez pas. Wendy? Wendy Rice. Laissez-le entrer et donnez-lui tout ce qu'il veut. On a retrouvé Rick Lieberman. Je suis le sergent Johnson. Désolé, on est obligé de prendre des précautions. Ouais. Merci de nous avoir laissé entrer. Il y a de l'eau en bas. De l'eau? Merci. Par ici. Suivez-moi. C'est quoi cet endroit? Un vieux bunker du temps de la guerre froide qui sert parfois de station relais pour le NORAD. Vous êtes basé ici? Non, monsieur, je ne fais qu'entretenir les équipements. Je fais la tournée de ces abris, je passe 2 ou 3 jours dans chacun d'eux. Et vous avez de l'eau et de la nourriture? Pour 5 jours, et un seul homme. La taille de l'éruption fait toujours l'objet de rapports plutôt contradictoires. Pendant que les autorités prétendent que c'est la petite éruption qu'ils avaient prévue, le nuage de cendres s'est répandu bien au-delà de la zone qui avait été évacuée, ce qui confirme que l'éruption est beaucoup plus importante que prévu. Essayez encore. Vous pouvez me remontrer ce que vous aviez avant, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Montrez-moi l'image satellite. Repassez la carte satellite. Ça alors. D'accord, agrandissez-la. C'est incroyable. D'accord. Vous pouvez m'envoyer l'image thermique? Regarde. Ouais. Hey, Wiley, qu'est-ce qu'il fait, Rick? Il essaie d'estimer son importance pour savoir combien de temps ça va durer. Alors?
D'après moi, on dirait que ces multiples cheminées sont en train de définir les limites d'une nouvelle caldeira. Après, je pense qu'elles finiront par fusionner totalement, pour ne plus former qu'une seule éruption massive. Rick, est-ce que vous pouvez me dire combien de temps environ cette éruption va durer ? Elle doit faire à peu près 2,5 fois la taille de la précédente caldeira, alors je suppose que celle-là devrait faire dans les 60 km par 90. Oui, nous sommes en train d'assister à une éruption qui a la taille de celle de Colberry Ridge, la première éruption de Yellowstone. Et la plus grosse. Et elle avait projeté 2500 km3 de magma, alors il suffira de faire une estimation de la quantité éjectée et de faire le calcul après. Et vous aurez sa durée. Donnez-moi un chiffre, Rick. Je vous demande pardon ? Un chiffre, donnez-moi un chiffre. Vous voulez que je fasse l'estimation ? Oui. Je dirais que ça devrait durer environ entre 5 et 9 jours. Mais peu importe sa durée, Wendy. Nous avons affaire à une intensité éruptive 8. Alors tout ça paraît dérisoire. Finalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a perdu le contact. On va essayer de le rétablir. Intensité éruptive 8, c'est quoi ? Une super éruption. C'est-à-dire le pire scénario ? Non, pas du tout. Jack Galvin, il était sur le terrain quand c'est... Non, le pire scénario n'est pas une super éruption. Le pire de tous les scénarios, c'est une super éruption qui va durer. Et durer. Si un volcan projette plus de 1000 km3 de magma, c'est une intensité 8. La chambre magmatique qui est sous Yellowstone a une capacité d'environ 25 000 km3. Le seul problème, c'est qu'on ignore quelle est la proportion de magma éruptif. Et ça, c'est ce qui va déterminer si cette éruption va durer plusieurs jours ou plusieurs semaines. Au troisième jour, le volcan n'avait montré aucun signe de ralentissement. Le nuage de cendres recouvrait les trois quarts des États-Unis. Des villes comme Chicago, Saint-Louis, Détroit, Minneapolis étaient totalement paralysées. Les routes, les voies ferrées, les aéroports étaient tous fermés. Les centrales électriques étaient hors service. L'eau était polluée. Chaque jour, le nuage progressait vers l'est d'au moins 150 km. Et on ne pouvait que rester les bras croisés. Alors, vous êtes beau-frère. Il a épousé ma sœur. J'étais pas pour. Il lui fallait bien un peu de bon sens dans sa vie. Mais alors là, elle est servie. Mariée à un homme qui travaille sur un énorme volcan. Et là, elle est où ? Fiona ? Elle est à Londres. Ben, elle devrait s'en sortir. Elle ne va pas s'en sortir. Elle ne va pas s'en sortir. Tant que cette éruption continuera, personne sur la planète ne sera en sécurité. Tu n'as pas le droit de dire ça, Kenneth. Oh, s'il te plaît. C'est la réalité. Face, on vit. Pile, on meurt. Ça se résume à ça, Rick. Et ne me fais pas le coup de l'optimiste, surtout là. Kenneth. T'as oublié ? On va manquer d'eau, on n'aura plus de nourriture, l'air se change lentement en poison. Vous croyez en Dieu, monsieur ? En Dieu ? Ouais. Vous croyez ? Vous êtes persuadé ? Que c'est le Seigneur qui se venge, Johnson ? Je crois en sa pitié. Oh, c'est touchant. Mais vous devriez aller dehors et raconter aux centaines de milliers de personnes qui viennent de mourir dans cette soudaine et cataclysmique éruption que Dieu a eu pitié d'elle. Ça ne vous aide pas, je m'en fiche totalement, Rick !
tu aimerais que je sois optimiste à la fin du monde. Écoute, si c'est vraiment ce que tu penses, tu ferais peut-être mieux de remonter et d'aspirer un grand bol d'air frais. Parce que sinon, pourquoi on reste assis là, maintenant? Est-ce qu'on retarde l'inévitable? C'est ça qu'on fait? Mais d'après moi, c'est exactement ce qu'on fait. Eh ben, dans mon livre à moi, je voudrais croire que je reverrai Fiona et Will un jour. Tu sais, et que Johnson pourra revoir sa famille. Je pense que plus longtemps on restera concentré là-dessus et mieux on va s'en porter. Oui, ben... je pense être un peu plus pessimiste. Ouais, mais finalement, tu l'as toujours été. Hein? L'eruzione possa essere contenuta o se ci troviamo di fronte ad uno dei peggiori disastri. Nous ne savons pas combien de temps cela peut durer, ni les dégâts qui peuvent en résulter. يروى آخر الأنباء إلى أن الحمم والصخور التي قذفها الانفجار البركاني. Écoutez les conseils des services d'urgence dont vous dépendez. Suivez-les. Puisse Dieu vous protéger tous. Des centaines de milliers de réfugiés sont sans abri après avoir fui le nuage de cendres qui recouvre maintenant les trois quarts du pays. Des milliers d'autres ont été piégés dans leurs maisons. Et l'Agence fédérale des catastrophes admet qu'il faudra sans doute plusieurs semaines avant de pouvoir leur porter secours. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour à tous. Il y a une heure environ, Air Force One a décollé d'Anders pour rejoindre une de nos bases militaires en Floride. Cette information ne doit pas sortir de cette pièce. On ne peut pas diriger un pays sous une telle couche de cendres volcaniques, mais les médias, bien sûr, parleraient d'une fuite. Bon, si on revenait à nos affaires, Wendy, combien de personnes dans la zone des retombées ? Au moins 25 millions. Les pertes estimées, pour l'instant ? Dans la zone immédiate, 90% en excluant ceux qui ont réussi à fuir. Dans la zone 2, on estime qu'il y a 10% de mortalité, ce qui fait à peu près 35 000 personnes. Zone 3, 5% de mortalité, ce qui fait 122 000 personnes. Zone 4, 3% de mortalité, 85 000 personnes. Zone 5, on estime qu'il y a 1% de mortalité, 220 000 morts. Le total des pertes estimées pour la première semaine, 462 000. Et ça, en supposant que la zone 1 était vide. Ils ont tous été tués par les cendres? Essentiellement, oui. Soit directement par inhalation des cendres, ou indirectement par des toits qui s'effondrent, ou des pannes de courant, surtout dans les hôpitaux. Ce qui veut dire que c'est lié. Monsieur, on avait conseillé à la population de stocker des réserves d'eau et de nourriture pour seulement 3 jours. Et on est le 3e jour. Et alors, que comptez-vous faire? Eh bien, excusez-moi. Wendy Rice. Vous savez, oui. Même quand ça s'arrêtera, oui, les avions ne pourront pas voler pendant des semaines avant que les cendres ne se dispersent. Alors de quoi il faut trouver un moyen. On n'aurait pas de la carte 25 millions de personnes. Eh bien, passez-le nous. On a Rick Lieberman en ligne. Rick, vous m'entendez bien? Attendez. Oui, ça va, on vous reçoit. Rick, nous avons 4 cheminées ouvertes de plus depuis hier. Très bien, est-ce que Dave a pu les modéliser? On n'arrive plus à le joindre. Pardon, vous pouvez répéter? Je regrette, Rick, mais on n'arrive plus à le joindre. Ici le secrétaire Foster. Nous devons savoir combien de temps va durer cette éruption pour qu'on puisse secourir 25 millions de personnes. Avec tout mon respect, monsieur Foster, je crois que vous allez devoir changer vos projets. Vous avez dit à tous ces gens de rester à l'abri et d'essayer de tenir en attendant une aide prochaine. Je pense que vous n'avez aucun moyen de pouvoir tenir cette promesse. Et je crois même que si vous essayez, tous ces gens vont mourir en vous attendant. Vous devez revenir sur vos déclarations. Qu'est-ce qui se passe? Attends, vite, passe-moi la lampe. Il faut que vous reveniez. Sur vos conseils, il va falloir que vous leur demandiez de venir vers vous. Monsieur Lieberman, je vous en prie, nous utiliserons toutes les ressources possibles pour secourir ces personnes. Ça fait partie de nos obligations. Non, 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 attendez, il n'y a plus de règles qui tiennent, monsieur Foster. C'est une question de survie. Et rien de plus. Et quand cette...
quand ces cendres ne tomberont plus et quand l'air sera enfin dégagé, les populations qui sont piégées comme nous le sommes se mettront en route. Ils préféreront marcher plutôt que de rester sur place à attendre leur mort. Et monsieur, ils ne pourront jamais y arriver si vous ne les aidez pas. Il faudra que vous nous aidiez. Il faudra nous dire où nous devons aller. Vous devrez faire larguer des provisions pour nous le long du chemin, parce que si nous voulons réussir notre marche vers la vie, il va falloir que vous nous facilitiez la tâche. On l'a perdu. Il veut que ces personnes marchent dans les cendres? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou? J'arrête pas de me dire, et si j'avais réagi de manière différente? Est-ce que j'aurais dû réagir différemment? Vous savez, si j'avais pu être plus décidé ou plus fort, si j'avais donné l'alerte plus tôt, vous savez, peut-être que ça aurait tout changé. Peut-être que ça aurait pu sauver des centaines de vies. Je crois que c'est plutôt aux autres de me juger. Et ma famille, c'est bien qu'elle soit partie avant. Avant que ça ne commence. C'est... Les types qui sont avec moi, ils croient que si on reste... Que si on reste à l'abri ici, on sera bientôt secourus. Mais... Je suis intimement persuadé que si jamais on reste là à attendre... Si on reste là sans rien faire, je suis pratiquement sûr qu'on sera bientôt tous morts. Le cinquième jour, plus de 2000 km3 de cendres et de pierres ponces s'étaient dispersés à travers les États-Unis. 2500 fois plus que lors de l'éruption du Mont Saint-Hélène. Mais ça ne représentait que 10% de ce qu'il y avait dans la chambre magmatique. Et la quantité qui en sortirait encore dépendait de la quantité de magma éruptif qui restait dans la chambre. Le pays était à genoux. Des centaines de milliers de personnes étaient mortes, des millions d'autres sans abri. Si ça ne s'arrêtait pas très vite, eh bien, il n'allait pas nous rester beaucoup de solutions. On vient à l'instant de nous signaler que les autorités mexicaines ont fermé la frontière il y a 4 heures. D'après les organisations humanitaires présentes sur place, 3 millions de réfugiés sont rassemblés près de la frontière mexicaine, la plupart d'entre eux sans abri, sans nourriture ou même sans argent. Maggie Chin pour KCV News. Ils ont fermé la frontière ? À nos concitoyens, oui. C'est totalement inacceptable. Ils les condamnent à une mort certaine. Les Mexicains disent qu'ils sont bien trop nombreux. On devrait leur botter les fesses. Ça m'étonnerait que la présidente pense que ce soit le moment idéal pour envahir le Mexique, Bob. Est-ce qu'on peut continuer ? Oui, monsieur. Très bien. Notre meilleur scénario, c'est que l'éruption va cesser dans 2 jours. Si c'est le cas, l'accès aux zones 1 et 2 ne sera pas possible avant environ 3 ou 4 semaines au moins. Alors on a peu de chances de retrouver des survivants. On pourra commencer à larguer du ravitaillement au-dessus des zones 3 à 5 environ 2 semaines après la fin de l'éruption, si le temps est avec nous. Et ce ne sera pas évident. Ça dépendra si les satellites trouvent le ciel assez dégagé pour nos avions. C'est comme ça. Ce sera trop long. Et si on faisait ce que disait Rick, qu'ils viennent vers nous? On ne peut pas conseiller aux gens de marcher au milieu des cendres. Ce serait trop dangereux. Alors on va leur demander de rester où ils sont et de crever de faim? Il y a des centaines de milliers, peut-être des millions de personnes qui sont prises au piège là-bas. Et qui attendent notre aide. Monsieur? Très bien. On va faire comme il dit. Il me faut un plan d'action. Trouver le meilleur moyen de faire ça. Et vite. Alors, il pleut toujours. Descendre.
Économisez les piles. Vous en aurez besoin dehors. Johnson? Ouais. Est-ce que l'armée de l'air viendra vous chercher? Qui est moi? Oui, vous savez, ne jamais abandonner un homme derrière soi. Ça, c'est les Rangers. Alors l'armée de l'air laisse tomber ces hommes? Je crois. Vous auriez dû choisir les Rangers. Oui. Cheyenne est notre meilleure option. On devrait aller là-bas. L'agence... L'agence sait que nous sommes là. Elle enverra quelqu'un. Kenny, l'agence a 25 millions de personnes à sauver. Ouais. Avant qu'ils puissent nous retrouver, nous serons morts de faim. Et si on mangeait Johnson? Essayez un peu. Si on s'en sort, ça fera un excellent bouquin. Oh, je ne sais pas. Tout ce que j'ai pu te dire ne plairait peut-être pas à tout le monde. On supposait que lorsque toutes les cheminées auraient fusionné pour former une nouvelle caldeira, alors la pression retomberait et l'éruption s'arrêterait. C'était ce qu'on pensait. Puis, le septième jour, nos sismographes commencèrent à enregistrer d'énormes secousses. Et nous avons compris que le sol à l'intérieur de la nouvelle caldeira en formation allait commencer à s'effondrer dans l'espace vide laissé par le magma éjecté. Ce sont les points de largage principaux. Le Pentagone a 45 000 palettes, 800 avions et 560 hélicoptères prêts à décoller dès qu'ils pourront voler. Les tracts pour les informer. Il y en aura dans toutes les palettes. Vous devriez regarder. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la pression qui maintient ces colonnes éruptives en l'air commence à retomber. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, la nouvelle que l'Amérique attendait avec impatience, la fin de la super-éruption du parc national de Yellowstone. À 9h17, heure locale, les colonnes éruptives ont commencé à retomber. Ocurrida en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, Estados Unidos, parece haber llegado a su fin. 这是整个火山爆发当中具有关键性的转折点。 Les énormes coulées pyroclastiques qui rayonnaient à plus de 160 km de la base du volcan ont même englouti le drone de l'armée de l'air qui surveillait l'éruption. À travers tous les États-Unis, la tâche surhumaine qui consiste à apporter de l'aide à estime-t-on 29 millions de personnes bloquées par les cendres vient de commencer. Les autorités reconnaissent qu'il faudra des semaines, sinon des mois, pour atteindre ceux qui étaient le plus près du volcan. Nous allons retourner vers la route inter-État et obliquer vers le nord. Dans tous les véhicules abandonnés qu'on pourra croiser en chemin, il faudra qu'on s'arrête pour prendre l'eau dans les lave-glaces, la nourriture et tout ce qui pourra nous servir. Allez, très bien. La distance? Cheyenne est approximativement à 25 km. Tu sais, Rick, je trouve que ça ferait un très mauvais bouquin pour l'instant. Ça va ?
l'effet global ne fut pleinement ressenti qu'un peu plus d'un mois après la fin de l'éruption. Des milliards de tonnes de dioxyde de soufre éjectés par le volcan avaient fini par envelopper tout l'hémisphère nord et cacher les rayons du soleil. En quelques semaines, les températures commencèrent à baisser, de près de 20 degrés à certains endroits. Ensuite, les aérosols atteignirent l'équateur. Ils commencèrent à refroidir l'hémisphère sud. Les moussons disparurent, en ajoutant la sécheresse au froid le plus vif. Les climatologues disent que ça commencera à aller mieux dans quelques années. Mais je suis sûr d'une chose, je n'aurai plus jamais de coup de soleil. La tâche qui nous attend. Tout ce qu'il nous reste encore à faire après tout ce temps passé. Les trois quarts des États-Unis recouverts par les cendres. 20% devenus stériles ou inhabitables. Des villes et des villages abandonnés pour toujours. Billings, Cheyenne, Denver, Salt Lake City. Je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir. Je veux dire, rien que les animaux. Le bétail. Des millions de têtes qui ont été réduites en cendres. Et la population. Et s'il n'y avait pas eu cette marche vers la vie, 7 300 000 vies sauvées. Ça a été une vraie réussite. Et tout ça, c'est grâce à Rick. Ne pas savoir, c'était ça le plus dur. Il m'avait appelé de l'aéroport de Cheyenne, avec Ken. Et... ensuite, j'ai plus eu de nouvelles. Jusqu'à ce que Michael Eldridge appelle de l'agence fédérale pour dire qu'ils étaient apparemment bien sortis de ce bunker. Et en vie. Après... comme je n'ai plus eu de nouvelles, j'ai abandonné tout espoir de les revoir un jour. Monsieur, je suppose que c'est à vous. Pourquoi j'ai choisi d'y retourner? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Peut-être pour me confronter à ce que j'avais vécu, pour ne pas oublier. Le fait qu'on avait bien failli ne jamais quitter cet endroit vivant. On nous a ramenés à Cheyenne. Et quand la pluie de cendres s'est enfin arrêtée, on nous a transférés à Denver. Où nous avons attendu avec des milliers d'autres rescapés que vienne notre tour d'être évacués. Il fallut 3 mois avant que les lignes transatlantiques ne soient rouvertes. Et que je puisse rejoindre ma famille en Angleterre. Mais il a fallu que je revienne à Yellowstone. Voir ce qu'était devenu l'endroit où j'ai passé une partie de ma vie à tenter de comprendre ce qui se passait sous les entrailles de la Terre. J'ai vu. C'est terrible, mais c'est aussi ça, la vie. C'est comme ça qu'elle a commencé. On ne peut rien y faire. C'est la nature. Un jour, Yellowstone rentrera à nouveau en éruption. Ma seule certitude, c'est que je ne serai plus là
pour le voir.